Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. C'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui dans l'émission Panoua, mon éditorial avec Yannick. Bakache dit nous, dans ce moment-là, une grosse situation, tension qui éclatait dans le paquet Port-au-Prince. Un gros jouet coquin qui a joué là. Nous pas oublier, avant mini-justice Beto Dorsey était allé, nous ne savons pas si c'est révocation, nous ne savons pas si c'est démission, parce que jusqu'à date, le gouvernement n'a pas jamais mis en note officielle de pour dire de quoi il en est avec deux ministres qui ne sont pas dans le gouvernement encore, qui savent reprocher. Est-ce que ces sanctions États-Unis te prennent contre eux? Est-ce que c'est eux-mêmes qui ont exécuté dans ce moment-là? Nous ne savons pas. C'est comme si Ariel et le gouvernement n'ont pas donné aucune explication. Ils ont fait ça, ils ont voulu, Jean Yopito, c'est des gros points qui ont réglé en dedans pays avec Ariel, avec le gouvernement complet. Kounya nous trouvons nous dans une situation côté que si ministre justice Beto Dorsey qui a allé à et là était allé était traîné d'elle commissaire gouvernement Jacques Lafont parce que était mis en disponibilité l'était remplacé par commissaire au gouvernement au Kaila Ronald Richemont et hier qui ça nous constaté un gros point nous ouais commissaire gouvernement Jacques Lafont il débarqué dans Paris Port-au-Prince ou bien local lui a décidé jodi à la fête tourner Paris Port-au-Prince parce que pas de jambe ka reprendre l'autre là dans mais dans et soumis centenaire et bien qui ça qui arrivé Jacques Lafontaine fait qu'on est que lui-même lui préparer lui dans moment là parce que lui toujours considéré comme commissaire du gouvernement de Port-au-Prince et bien là il a préparé qui ça il a préparé des audiences correctionnelles comprenez bien il débarqué avec full sécurité derrière. Là, il a parlé avec la presse, il a parlé avec les journalistes. Il fait qu'on est que lui-même, il a préparé audience correctionnelle. Ça veut dire toujours considéré comme commissaire du gouvernement, pas aux presse. Il a bon nous gagner, ministre justice avant de aller, il a désigné Ronald Richemont comme commissaire du gouvernement. Dans ce moment-là, la question a posé, est-ce que Paquet Bordeaux-Presse, est-ce qu'il y a deux commissaires du gouvernement dans la tête? Qui tout transtaille ça, qui tout magouille ça, qui tout joue coquin ça, qui a fait dans le pays. Alors que nous considérons, nous fait pays, nous disons nous fait pays, Ariel Henry dit là pour nous faire respecter les principes. Et puis nous avons gardé la réalité, nous avons confronté avec les gars, nous avons gardé les faits qui sont devant nous là. Nous avons essayé de jouer qu'a fait. Nous avons l'autre fois encore, nous n'avons pas pris haïtien pour rien, nous n'avons pas pris institution démocratique, institution pays pour rien, nous avons fait ça avec les gens hôpitaux. Si nous voulons chercher est-ce que réellement Jacques Lafontaine est toujours commissaire du gouvernement, non pas que pour le président, c'est pour nous regarder effectivité, soit révocation ou bien démission, ancien ministre justice, Beto Dorsey. Parce que si nous regardons au fond, arrêté à qui sorti dans date 11 novembre 2022 passé, côté que yo changé Ariel Henry et avec un conseil des ministres, yo prend décision, yo changé Beto Dorsey comme ministre justice, yo remplacé par ministre culture de manière intérim, yo remplacé ministre intérieur collectivité territoriale Liz Kittel. Kounye a jodi an moment n'a parlé à la premier ministre Ariel Henry, il y a à la fois premier ministre et ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Là, déjà, nous avons une situation tout en eux. Je vais vous donner des détails sur ça. Et dans ce moment-là, le débat est tellement chaud à terre. Nous obligés de mettre nous en place pour nous pas confuser dans ça m'a expliquer nous pour nous comprendre jouer coquin jouer tolalito jouer en battable qu'a fait là dans moment entre Ariel et ministre qui dans gouvernement li. 11 novembre, on va garder là bon arrêté qui sorti. Arrêté en sorti, Sénat arrêté ça, yo nommé différents ministres qui pourront placer ministre sortant. N'a arrêté ça, ouais, Ariel Henry vin ministre intérieur, n'a arrêté ça, ouais, yo mette Emeline Prophète Mise comme ministre justice AI. Sénat arrêté ça tout, yo nommé et président cour de cassation. Donc là, arrêté ça, c'est lui-même qui dit que Beto Dorsey pas ministre encore. 11 novembre, changez d'actu, 11 novembre. Et là, tout, wap gade. Le côté que Beto Dorsey li voye bay et Jacques Lafontaine, côté que Jacques Lafontaine li mette en disponibilité, Jacques Lafontaine lui-même li pas reconnaître lui comme commissaire du gouvernement dans paquet Port-au-Prince encore. Qui ça nous est là? Nous est dans lettre là, n'a regardé avec moi, nous est le ministre 11 novembre 2022. Maître Jacques Lafontaine, commissaire du gouvernement, près et le tribunal de première instance de Port-au-Prince. C'est dans l'état où le ministre de la Justice Beto Dorsey lui informé
et Jacques Lafont, commissaire du gouvernement, que lui mettait l'indisponibilité en vertu de l'article 188, alinéa 4, décret 17 mai 2005, là, qui portait sur fonction publique. Qu'on y a un gros bagaille, ou doit comprendre. Effectivité, révocation, ou bien encore démission, ancien ministre de justice, Bertrand Dorset, et puis on l'autre bord, nous allons regarder, effectivité, mise en disponibilité que li baille commissaire du gouvernement Jacques Lafontaine. Bon, m'expliquer nous bagay là pour nous comprendre. 11 novembre pour 11 novembre. Non, de 11 novembre, ça, yo, qui est-ce qui t'est révoqué ou bien démissionné avant? Est-ce que nous date 11 novembre, non? C'est ministre justice Bertrand Dorset qui t'est révoqué ou bien rendre démission avant que li mette en disponibilité commissaire gouvernement Jacques Lafontaine, ou bien est-ce que tu as mis en disponibilité Jacques Lafontaine avant que lui-même lui quitte fonction de ministre de la justice? Parce que nous pas oublier, c'est même Jean Webagay qui a fait là, il a fait déjà avec Bedford Claude, le Bedford Claude était commissaire du gouvernement. Nous pas oublier le Bedford Claude, le l'était finement de Digicel pour Digicel, Bali, relevé appel téléphonique et premier ministre Ariel Henry. Côté Ariel Henry, il t'a parlé dans téléphone pendant pile temps avec Badjo Félix qui sortait ouais. Ariel t'a fait automatiquement. Li invite Ariel pour le temps de Ariel ou rapide vite yo révoqué Bedford Claude. Yo voye Bedford Claude aller Bedford Claude par commissaire du gouvernement. Ou n'y a Bedford Claude li même li toujours continue à faire action parce que li dit non, li toujours commissaire du gouvernement parce que li mette dans tête li non moment te invite Ariel Ariel te commissaire du gouvernement et puis qui sont bralwe. Le publié lettre révocation Bedford Claude là. Non, jou Bedford Claude invité Ariel là, Bedford Claude te gete pas de commissaire du gouvernement encore. Ça veut dire Bedford Claude s'il voye invité Ariel pour le temps de Ariel le 15, eh bien depuis le 14, je te gete révoqué Bedford Claude. Ça veut dire Bedford Claude à ce moment-là, il pas de qualité, il pas de commissaire du gouvernement, donc il pas de qualité pour inviter Ariel Henry pour le temps d'il. Eh bien, c'est même bagaille là, yo fait ministre justice Bertrand Dorset. C'est vrai, ouais, arrêté à sorti 11 novembre, côté que yo remplacé Bedford et yo remplacé Bertrand Dorset. Yo mette ministre culture là, yo remplacé, yo mette ministre culture là, ministre justice par intérim. Eh bien, ça t'est arrivé bien longtemps, yo pas publié les choses, aucun bagaille secret. Bedford Nègla, ministre justice qui était là avant, yo te gete révoqué. Et le fait que si yo te gete révoqué, yo te gete voyé là avant même que arrêté a sorti, li même le li vin mette la fontan disponibilité le 11 novembre, li pa gen qualité pour ça. Li pa gen qualité pour ça parce que bien avant arrêté yo te gete publié, yo te gete konnen li pa commissaire, li pa ministre justice encore. Donc là, le fait que li vin mette li vin mette Jacques Lafontaine en disponibilité, li pa kembe. C'est ça que fait Jacques Lafontaine jodi an la, li confortable, li montre que li débarqué hier nan paquet a, li débarqué avec paquet de sécurité derrière, li parle de audience correctionnelle, li pral tanmen la, li pral continuer avec activité judiciaire li yo comme si de rien n'était. Bon green bagay ou doit comprendre là. Son joueur coquin qui a joué. Son jouet de coquin. Moi, je n'ai aucun problème que vous voyez Bertrand Dorset aller. Je n'ai aucun problème tout pour Bertrand Dorset voyez Jacques Lafontaine aller. Parce que you, ni vous ni l'autre, vous n'avez pas de merde. Mais vous n'avez pas de point de vue administratif. Faut bagay yo fait 11 ans. Nous devons population, nous devons moun kap gade, nous devons contribuer à une explication sur comment nous gérer l'État, sur comment nous gérer la chose publique. Nous ne pouvons pas nous décider comme si de rien n'était. Jodi an la, nous faisons vacam. Aucun monde va dire rien, nous pas aucun monde explication. Demain nous venons, nous essayons de régulariser la situation comme si de rien n'était. Et pour nous venons face avec une situation côté que nous sommes dit tout à l'heure, premier ministre Ariel Henry, la règle en bagaille tout en eux. Tout en eux, c'est qui s'allie. Or, il y a le moment là, il y a à la fois premier ministre, chef CSPN, et il y a à la fois ministre intérieur, l'homme quoi, c'est vice-président. Deuxième vice-président CSPN. Donc là, Ariel, si c'est pour pouvoir, ça ne pas manquer. Ariel a décidé le chita pour coller la caille, il dit, la fait on. La décidé, oui, la font CSPN. Tout le monde n'a pas besoin là, non, pour CSPN, en fait.
Ariel a décidé, dans qualité premier ministre comme président, dans qualité ministre intérieur comme deuxième vice-président, et puis il a fait l'obéi. La fait l'obéi. Donc je dis là, pendant que Ariel lui a conforté le plus pouvoir, nous constatons que pour pays a plus de problèmes. Haïtien qui a plus problème et problème ça yo n'est pas dans dimension pour résoudre yo n'est pas dans dimension pour porter solution avec yo. Donc dans moment où moun qui censé si nèg za yo monsieur dame za yo qui fait partie de gouvernement Ariel Henry a été respecté tête yo faut que yo ta quitter, faut que yo ta quitter bay ça, faut que yo ta quitter l'obéi ça qui relève gouvernement Ariel Henry. Mais nèg yo tellement rien pour voir yo tout dou y a travailler pour pays yo tout dou y a servir pays yo tout dou yo vle mettre grain pierre pa yo a déposer grain roche pa yo pour bâtir en l'autre Haïti et pourtant c'est yo même dans moment là cap déstabiliser cap créer plus conflit cap mettre nous dans plus erreur qui créer une vie de chaos généralisé en dedans pays yo yo pa di nous et yo pa admettre que c'est yo même qui fautif là m'a dit nous ou est pour finir avec dossier la photo ça c'est depuis longtemps n'a prend ko en bas nèg yo. Mars en 2018, nous avons gagné comme ministre justice Oudi Ali. Jean Oudi Ali comme ministre, comme supérieur hiérarchique Jacques Lafontaine à l'époque, parce que Jacques Lafontaine était commissaire du gouvernement, il mettait Lafontaine en disponibilité pour qui ça? Parce que tu as gagné enquête qui t'a ouvert contre lui pour même la corruption. 2018, il mettait la disponibilité l'aller. 2020 encore, nous pas oublier. Jacques Lafontaine, il était commissaire du gouvernement, il était démissionné pour un gros scandale qui éclatait entre lui-même avec qui est, avec supérieur hiérarchique à l'époque qui était qui est, Rockefeller Vincent. Il démissionné, il finit ça, il finit bien joué, Rockefeller Vincent, et puis il remet démission, il n'y a pas carré dans même l'embois, Rockefeller Vincent, alors que pour qui ça, pour même dossier corruption. Et puis où est Ariel? Yo prend Ariel, prend Bertodossé mette et Negza, yo continue avec lui. Et puis, sortant de là, nous n'avons même continuité. Yo. Corruption, la manger la diaspora, yo. La participer avec moun qui a volé la diaspora, yo, volé la diaspora, yo, ba yo pouvoir, ba yo autorité. Et puis, sortant de là, yo crasé par quelqu'un de presse. Mon père, j'aime dire une fois, côté que, en tant que commissaire du gouvernement, li intenté en action. Contre nèg sa yo, contre bandi sa yo qui te et rentré pour paquet Port-au-Prince d'assaut, qui fait jodi en la, c'est dans même tribunal spécial travail yo logé paquet Port-au-Prince. Yo pas jamais fait aucune action contre Izo ti la pli dans juridiction là, on paquet l'autre bandi dans juridiction là, pas jamais fait rien contre yo. Et puis c'est de pour elle, c'est vini, vini parler français. Le silence est la force de la parole, par contre qui ça te veut dire. Par contre s'il te veut dire, le silence vaut mieux que la parole, mais on est, nèg yo fait show off et puis s'attendez à. Y a cherché une façon pour essayer rallier mon avec yo et pourtant non moment dans situation à vivre là non moment à vivre côté que nèg ça au commissaire du gouvernement juge d'instruction ministre justice premier ministre tout nèg ça yo c'est l'argent a fait tout nèg ça yo c'est avantage à tirer de l'instabilité de violence qui gagne dedans pays mon ça nous pas ka ba valeur nous pas ka vinn mettre valeur sur yo parce que yo pas gagne aucun valeur donc hier nous constater qui ça nous garder Ariel Henry qui a invité la presse. Ariel Henry a fait propre installation comme ministre intérieur. Mais première galan son absurdité. Moi la presse déplacée, média déplacée à couvrir événement Ariel a installé tête. Ils sont what? En tant que premier ministre, ou déjà pas réglé en merde. Ou ni là même non vienne prendre l'autre fado ou vienne prendre tout contrôle et commune département, yo, section communale yo, comme ministre intérieur. Ou ni a c'est pire. Et d'ailleurs sous matériel Ariel était ministre intérieur collectivité territoriale, li pas réglé en merde pire. Ariel qui était ministre intérieur. C'est rapport corruption. Ariel qui était ministre intérieur, son paquet de badge ou tant de qui gagne dans la rue by bandi, tout gang gen badge ministre intérieur comme agent dans ministère intérieur. Donc, moun sa yo pas jamais réglé en rien. Yo pas réglé en rien qui mène pays à vers l'avant. Yo pas réglé en rien ou ouais qui ka changer vie moun yo nan quartier populaire yo. Yo pas vin avec aucune politique publique qui ka changer condition vie moun nan dedans pays yan, qui ka changer ça n'a subi là comme violence criminelle qui alors que c'est même yo même qui gon certaine proximité avec gang yo, qui gen proximité avec bandi yo, rien pas fait pour peuple, rien pas fait dans intérêt peuple. Mais kounya ou gade ki tel qui a parlé, qui a bail bilan 16 mois passé dans tête ministère de l'Intérieur. Qui bilan? Qui bilan qui tel?
qui tel yon nèg dans la cité dans corruption dans la cité dans kidnapping dans la cité dans trafic d'armes au ministre États-Unis et Canada sanctionné pour kidnapping sanctionné pour relation proximité avec gang et pour Ariel lui-même Ariel qui révoque nèg parce que États-Unis mandé ça Canada mandé ça ou est-ce Ariel qui bail la main à Kitel lui remercie Kitel lui fier parce que pendant 16 mois Kitel t'est bien mené tête ministère Ariel va ta mériter pour le prendre compte d'où si Jacques Lafontaine est ton commissaire du gouvernement qui t'est mon travail sérieux t'a fait nèg ça faut te enquêter faut te gain dossier sous table automatiquement pas ministre encore ou maré au débradé donc comme volé comme criminel, comme gang. Mais nèg yo nou wè, c'est pas pays qui a fait. Nèg yo nou wè, c'est pas un sérieux qui a réglé. Nous, la justice haïtienne, ni pas en mesure pour le riposter, pour le porter en réplique par rapport avec action nèg yo. Nous obligés, et comme si nous baillons vague. Nous baillons vague. Quand il y a question à poser, est-ce que la justice haïtienne ni pral jouer partition pal? Est-ce que l'autorité concernée yo pral jouer partition pal? Nèg sa yo, moun sa yo, qui gen accusation grave sous do yo de corruption, trafic stupéfiant, trafic drogue, machin drogue, moun sa yo qui nan kidnapping, kap vann zam qui gen relation avec bandi, est-ce que la justice pral se li kont yo? C'est la grande question. Mais qui ça nous remarque? Par exemple, si nous montons dans l'année 1905, décembre 1905, nous sommes en Haïti, dans l'histoire du pays, nous avons un gros scandale pour cette consolidation, côté que nous avons un paquet officiel de l'État, nous avons un paquet de ministres, anciens ministres, qui ont même ont des activités criminelles, ont des activités corruption, ont fait. Ils volent un paquet de l'argent, ils détournent un paquet de l'argent dans le trésor public. Eh bien, le procès de consolidation a été fait, côté que nous avons un paquet d'anciens ministres, ministres en fonction. Qui t'est supposé prendre code, qui t'est supposé en côté à réfléchir, qui t'est supposé en côté pour réfléchir avec quantité d'argent, détourner, yo retourner à Haïti, yo faire payer, yo faire bac. Eh bien, gen trois parmi officiels, ça yo, ancien ministre, ministre ça yo, l'on prend Tancred Auguste, ou prend Sénatus Lecomte, ou prend Villebon Guillaume Sam qui yo même, yo t'est impliqué dans malversation, dans magouille, dans corruption ça yo. Qui te fait partie de monde qui te gagne pour juger dans le procès de consolidation, qui ça nous remarque? Yo vin président pays, oui. Yo vin président pays, moun qui te gagne, non, yo doit être trempé dans la corruption, oui. Moun qui te impliqué dans la corruption, dans voler l'argent pays, dans la criminel, dans la corruption. Yo, au lieu, la justice haïtienne sanctionne, yo, c'est promotion, c'est grade, yo vin prendre tout passe président, tous les trois passe président. Pas trop longtemps là, 1975, t'es gagné procès des timbres. Côté toujours même activité criminelle, même activité corruption, là dedans t'es gagné près de 8 ministres dans le gouvernement à l'époque là, et mais qui s'accrivait. Pendant que vous êtes accusé de contrefaçon, vous avez imité la signature du ministre commerce et industrie à l'époque, eh bien, Mounza, au lieu que vous êtes pris en prison, au lieu que vous êtes pris en code, etc., côté vous. Côté yo, ça qui te gete en prison libéré, yo pas jamais moi yo, ça qui pas gete prend code, pas jamais prend code. Dossier écrasé, tout bagay fini comme si de rien n'était, tout moun blie, tout moun, tout bagay blie et puis tout moun continue. C'est ça nous hérité, c'est ça la justice haïtienne hérité. Laissez autorité officielle qui a fait magouille, qui a volé l'argent de l'État, qui dans toute malversation, qui dans un criminel. On dit scandale éclaté, États-Unis fourre bouche, communauté internationale la fourre bouche. Après ça, yo oublié nèg yo. Dans des vents, ça piche, ça fait opposer, ça tempère, et puis tout le bagage passe comme une lettre à la poste. C'est une des raisons que Haïti a toujours côté lié à la. Haïti a toujours côté lié à la. Regardez comment l'argent Petro-Caribe a passé. Regardez comment 3,8 milliards, regardez comment le passé. Nous pensons, si les États-Unis ont une préoccupation vraiment pour l'argent Petro-Caribe, nous pensons qu'ils ne peuvent pas mettre chaleur, ils ne peuvent pas mettre bois d'air, bâton d'air pour faire dossier à marcher. Pour yon faire procès Petro-Caribe à fait. Donc quand il s'agit pour yon rester même haïtien, yon instrumentaliser ces même haïtien, yon abdicter pour craser pays, pour détourner l'argent, pour faire malversation, il y a toujours fait parce que faut que la justice en Haïti à genoux, pour nèg sa yon ka fait ça yon vle, pour yon ka piafé. Faut que la justice en Haïti à genoux, pour yon ka toujours jouer député, sénateur, ministre, président, premier ministre, ou reprenne pour yon faire retourner marionnette, pour yon faire yon vendre pays, parce que après yon kalba yon garantie que yon protège yon, yon connaît la justice en pays nous faible. Yo connaît la justice dans le pays, nous li corrompu, yo ap ka toujours acheter, nèg sa yo pa jam passer devant un tribunal, yo pa jam juger yo pa jam condamner yo, c'est salié. Et bien jodi un moment arrivé, faut que nous caler genou, moment arrivé, faut que nous dénoncer nèg yo, parce que si
n'a fait pays vrai, faut nous commencer respecter institution yo. Faut nous commencer respecter institution démocratique pour nous faire valoir droit nous, pour nous faire valoir ça nous gagne comme intérêt en tant qu'haïtien pour nous institution dans pays noir marcher bien. C'est pas seulement non logique, n'a pas cherché criminel, n'a pas cherché iso, si la pli, Genève, Jepep, barbecue, whatever. C'est pas ça lié. Jodi an la, pour nous chercher un exayo, pour nous sanctionner, faut que bon système justice. Faut que système justice en li fort, et faut que justice ta li ka sanctionner gros chabrak yo, gros palto yo, avant de river sous petite soyette là. Gade comment yo arrêté, inspecteur divisionnaire Pierre Joaquin. Pierre Joaquin, on a regardé, Néglan, yo dou, c'est intendant dedans, et c'est intendant président, moun ki proche président. Sous Jovenel Moïse, on a regardé Jovenel Moïse en déplacement, moun ki pouvi nou, ripote machine pour président monte, Pierre Joaquin. On est qui tellement gagne pouvoir, qui tellement gagne influence, ou a regardé li nan cortège madame président fait confiance madame ni en déplacement li accompagner madame ni parce que son moun yo mette nan tête yo nan sa ki gagne pouvoir avec sécurité la protéger ou sécurité a passé avant toute chose etc. mais moun za ou a regardé jodi nan ki scandale li impliqué. Ou a regardé réalité fait yo, ou a regardé un inspecteur divisionnaire. C'est lui-même qui a fait trafic d'armes, c'est lui-même qui a fait trafic de munitions dans le pays, c'est lui-même qui a une relation avec gang, avec bandit, qui a porté des armes, qui a porté des balles pour le monde. Le matin, dès l'interview, côté il a interviewé, il a fait parler, la police a fait parler en dedans du CPJ, il y a plusieurs versions. Moi, je me demande est-ce que tu es libyen? Est-ce que le corps d'homme? À un certain moment, il dit que il pas comme ça, il t'a porté. Il pas comme ça, il t'a porté. C'est piégé ou piégé. C'est Johnny qui piégé, c'est Maître Hôtel qui piégé, etc. Et puis, à un certain moment, il vient réfléchir à deux fois. Il était comme ça, il t'a porté. Il était comme ça, il t'a porté. Comment il fait piégé sous tes comme ça, il t'a porté. Ou yon piège au monde, yon nik dit metti boîte ça pour te laler, moi pour te le devant la station avec. Yon piège au pote, au monde qui pote dans la rue qui pas contre ça la pote, mais ou déplacé avec machine service de l'État, toute vie, tout été, ou son papa, parce que son inspecteur divisionnaire, yon connaît qui relation, qui proximité ou gen avec palais national, donc ou a fait job. Yon pas piège au Johnny, pas piège ou a fait job. Ou. C'est pour ce que les habitués sont habitués. Et qui ça qui touye Jovenel Moïse? Bal. Quand est bal ça yo sorti? Yo nou Colombien. Mais en réalité, Jovenel te gen plus moun ba bon côté. Lui t'a fait trafic zam. Qui te gen relation avec bandi en dedans pays. Tout bagay ça yo mérite pour nous poser question, pour nous chercher réponse yo. Et ça là n'a pas compris. Jean-président Jovenel Moïse mourir. Elle va te kapa mourir. N'importe nèg te ka touye là dedans palais national. Parce que nèg yo pas de bon moun. Entourage président Jovenel Moïse, tout nèg de gen relation avec groupe gang yo, tout nèg de gen relation avec base gang yo. Donc, yo te nan palais national, yo tap travail, yo te nan entourage Jovenel, yo te nan entourage madame président. C'est plus facilitation, yo tap chercher, vous comprenez, yo tap chercher plus pouvoir, plus autorité pour yo ka bâti proximité yo ak gang, pour yo ka faire bal passer plus facile, zam passer plus facile, pour yo ka faire commerce. Pour le café commercial, quatre fois l'on a bien réfléchi quand il était traite qui était entouré président Jovenel Moïse, ou a demandé de tout. Ou a demandé de tout quand il était moun sa ou qui en deux dans la pénitentiaire nationale. Est-ce que yon tout coupable vrai dans l'assassinat président? Ou a regardé quand il était haine, à qui rage, à qui violence n'est yon touye président Jovenel Moïse, ou a demandé de tout, ou a posé de tout question. Est-ce que c'est pas moun vraiment qui était proche président qui a assassiné le Ronza? Parce que moi-même, pourquoi j'aime qu'à comprendre version ça. Des séries de nègres qui étaient là pour protéger un président, ils n'ont pas pété, ils ont pété, ils ont assassiné un président comme ça, et par la suite, ou pral vin ou à proximité nègres ça ou gen à gang. Ou pral vin ou à proximité nègres ça ou gen avec l'autre groupe gang en dedans pays, nègres ça ou c'est chef gang, c'est patron gang, tout dans gang. Non, mon cher. Jovenel Moïse li mouri innocemment. Ouais. Président yo assassiné pour ti moun yo assassiné innocemment parce que vérité ennemi yote là devant j'ai président. De série de nèg, pas de président li même la pèse kode pour nèg pas déstabiliser, kode pour nèg pas créer violence dans le pays. Li gon paquet nèg ka pouvè machine pou li.
qui accompagne madame ni qui soit dis à protéger ville qui sécuriser et puis nèg ça y a décodé c'est au cap bail gang accès c'est au pral des balles c'est au pral des armes c'est au cap utiliser machine plaque officielle machine à la disposition gang bandi pour qu'ils a pour qui ça pour qu'il y ait plus autorité plus pouvoir pour qu'il y ait plus l'argent dans le pays il y a déstabiliser un pays. Yo sou un gouvernement, yo sou un pouvoir, yo derrière un président, yo gen tout accès, yo gen passeport diplomatique pour yo voyager tout côté yo vle derrière président, derrière madame président et puis c'est comme ça yo utiliser privilège yo gen pour déstabiliser un pays. Moun sa si yo dit touye président, pas c'est touye président. Si nous avons garanti dans l'autre gouvernement qui a monté, il a toujours chef, il a toujours autorité, il a toujours gen pouvoir, pas c'est le pas faire. C'est pas une question de moun nan loi, c'est une question de pouvoir, de privilège. Quand la majorité haïtienne, yo pas contre moun, c'est l'argent avant moun, c'est privilège avant moun, c'est pouvoir avant moun, et puis nous voulons faire pays. Matin, on t'a parlé avec nos amis, et il y a deux bagailles qui sont extrêmement importants. Avant même rentrer dans ce travail éducatif, côté que ma vini avec la constitution, parler nous de droits, nous de voir obligations nous gagner comme haïtiens, il y a deux bagailles qui sont extrêmement importants. Nous supposons gagner comme base fondamentale. Nous supposons gagner comme base. Vous comprenez? Comment on dit ça? Et base Kailan. Base Kailan, sol Kailan, c'est ça nous supposons gagner avant toute bagaille. Nous supposons comprendre ça qui est l'honnêteté. Honnêteté, nous n'avons pas besoin d'avoir un paquet de définition français pour lui. C'est même Jean Bibladou, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ou dit oui jodi an kembe oui ou dit non demain kembe non ou pas nan pour faire quoi faire s jodi on te dit oui demain c'est non lié yo pas ta faire confiance yo pas ta faire crédit non rien non. Être honnête c'est avant tout le respect de la parole donnée. So di a ou faire c'est li pour faire. Si ou pas ka faire dit ou pas ka faire ou aller mais question pas ka faire là ou prend poste ou prend fonction ou faire moun kwen nan ou et puis après pral déçu moun non pas honnête. Est-ce qu'on voit qui ça qui honnêteté a? Honnêteté c'est pour pas qu'être bagaille. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ou pas qu'à oui, non, non. Soit oui, soit non. Et puis, déjà, ou fini. Deuxième bagaille là, c'est que je suis haïtien. Être un haïtien. Qui ça haïtien y est? L'on conscience c'est un haïtien, qui ça ça veut dire? Ça veut dire avant toute chose ou remet pays ou ça veut dire avant toute chose ou fier de mon ouye ou ka camper garde mon danger. Le fait que c'est haïtien ça pas fort en nation inférieure avec un monde. Le fait que c'est haïtien ça pas veut dire américain supérieur parce que le fait que sont haïtien ça pas veut dire canadien français à dominicain supérieur parce que ou sont haïtien même genre avec n'importe l'autre nation ou sont monde tant tout monde. Sans patriotisme, sans du devoir accompli. Yo supposé la caille, yo supposé remé pays ou fier. Jou traité petit, tout c'est qu'on soit doit traiter chaque grain de monde qui dans entourage. Jou traité la caille, c'est qu'on soit doit traiter au là dans la rue. La caille, ou pas jeter fatra dans la caille ou gen poubelle là dans la rue, assure que ça dans mon là. Si ou pas on poubelle pour jeter, rentrer avec la caille ou jeter la caille. C'est ça yo. C'est base ça yo nous besoin avant toute chose qui pour faire nous. Qui pour faire l'autre nous nous grand et qui pour faire nous pays nous grand parce que bon nous sous pas faire ça qui basique comment on va attendre que dominicain qui voisin là pour respecter comment on va attendre que américain lui prend au sérieux comment on va faire prendre dirigeant comment on va faire prendre haïtien au sérieux alors que moun cap diriger nous yo blanc pas prendre au sérieux. Yo collaboré avec eux, c'est pas en collaboration vraiment mais plutôt c'est imposé à imposer c'est dicté à ba yo. Parce que yo pas respecté valeur. Commencez à apprendre respecter valeur. Commencez à apprendre respecter tête ou respecter moun ki koto lan. Et c'est ça ici on pas cultiver nan li en pile nan nous. Nous pas respecter moun. Nous di moun za nou vle, jan nou vle. Nous agi ak moun jan nou vle. Non. Non, le bagay yo pas obligé comme ça. Donc situation son situation qui mérite avant tout pour nous garder réalité Jean lié passer l'open fait passer la loupe décrypter réalité pour nous tirer qui ça qui gagne de positif pour nous rejeter négatif yo, et puis pour nous avancer ensemble main dans la main côte à côte. N'a regardé hier un véritable chasse à l'homme qui gagne en République dominicaine. N'a regardé comment dominicain a couru des haïtiens comment dominicain a porté bourré sur haïtien comment dominicain mon cher yo a humilié
familier haïtien dominicain amato li casser porte caï moun yo li rentré ou nan machine nou yo camper machine et l'armée camper machine descend machine non pa gen papier yo pon ou gen papier yo pon son véritable chasse aux haïtiens qui gen en république dominicaine et par rapport avec situation ça gen Edwin Parizon li même li a vive en République Dominicaine, li connaît situation haïtienne à vivre en République Dominicaine. Li même dans moment là, li vle porter support, li vle porter expertise, li vle aider haïtien. C'est ça que fait jodi a, là me choisi pour porter interview ça qui réalise matin dans Radio Magique 9 pour nous tendre qui ça veut pour dire. Pour nous apprendre qu'on est qui ça nous doit faire dans situation côté que dominicain enragé derrière nous. Dominicain montre que yo pas deal avec haïtien. Niveau raciste yo rien vis-à-vis de haïtien. Donc m'a quitté avec interview hein, mettez tête en place, ouvrez oreilles pour tendre parce que ou même qui en situation irrégulière en République Dominicaine ou même qui en situation régulière en République Dominicaine tout, li important. Pourtant des interviews parce que dominicain Jean Bagayo a viré là on regarde même Western Union a avisé que yo pas recevoir l'argent pour haïtien donc comment faire vivre dans un pays sous pas gain l'argent dans mon comment faire vivre dans un pays sous pas gain l'argent pour acheter rien pour survivre pour manger pour habiller pour prendre soin etc. Donc nous obligés vigilants nous obligés prudents donc m'a quitté nous là avec interview partager émission pour l'autre haïtien qui a vivre en République Dominicaine ka konn comment pour réagir ka konn qui ça pour faire ka konn qui porte yo frappé dans situation difficile yo vivre là n'a croisé dans une autre vidéo. Merci tout le monde. Bonjour Magique, bonjour à toute équipe là. Donc un plaisir comme toujours. Hier seulement et pour hier lundi, autorité immigration dominicaine a annoncé yo arrêté 1395 haïtiens qui en situation irrégulière. Depuis plusieurs jours, nous observons une sorte de augmentation du nombre de déportations et de haïtiens et de la République dominicaine vers Haïti. Qui ça qui expliquait soudaine vague de déportation massive ça monsieur Parizon? Bon, alors, on dit que on dérapé avec deux faits. Premier fait, hein, République Dominicaine ou bien le gouvernement te recevoir il y a deux semaines un haut fonctionnaire du département d'État et qui était recevoir au Palais National, hein, il était rencontré président et il était offrir République Dominicaine ce que la République Dominicaine a accepté. Un don de 21 millions de dollars et pour la gestion des groupes minoritaires pour que la République dominicaine améliore gestion que l'a fait de situation groupes minoritaires parmi lesquels les dominicaux haïtiens que considérés comme des mounes qui frappés par l'arrêt 168-13 que considérés comme des apatrides et de notre côté groupe GLTB. Ça a été fait un gros écho et particulièrement dans le secteur nationaliste qui dit que bagaille ça totalement inacceptable son façon pour que les États-Unis cherchaient et dévier les flux migratoires haïtiens qui pourraient aller vers et le territoire américain et pour que République dominicaine ta recevoir yo. Ça son premier élément. Le deuxième élément, il y a eu un appel d'un haut fonctionnaire des Nations Unies. C'est le commissaire pour les droits humains des Nations Unies qui lui-même mandé aux pays grands récepteurs de la migration haïtienne pour ne pas déporter haïtiens et dans la situation actuelle et que Haïti retrouve. C'est son appel général que le fait dans le premier temps et appel ça lui-même incorporé inclut tous les États-Unis oui. qui c'est la destination la plus importante pour les haïtiens. Et la seule réaction, je dirais, contre ou bien face à appel ça, hein, venait de la République dominicaine, noté Welly, président, une réaction virulente et que lui dit que rapatriement, non seulement il pourrait continuer, mais il pourrait intensifier. Mmh. Donc, à partir de ce moment, et c'est à coup dit, son l'ordre qui sortit au plus haut niveau pour que les différentes instances qui viennent pour eux avec le contrôle migratoire, qui viennent pour eux tout même avec l'ordre public, parce que c'est la première fois, et nous tendez que et toute l'autre instance qui vient pour eux, et toute l'autre instance armée, que c'est la police, que les forces armées, ils ont impliqué dans l'exécution des créas, pour que République dominicaine t'a rapatrié tout haïtien qui retrouvait dans une situation irrégulière. Bon,
Nous connaissons que c'est la réalité pour la majorité de nos compatriotes. Majorité qui pas arrivé inscrit dans le plan national de régularisation qui était fait entre 2014 et 2015. Pas oublier que plan ça, et bon, on dit que plan ça a été couvert entre 52 et 55% de population. Hein. Bon, sont-ils majorité minime que le tarif est couvert. Et mais on nombre assez important de la communauté qui peut arriver en enregistré. OK. Mais soit calculé entre 2015 et 2022, bien plus soit calculé annuellement nombre d'haïtiens que la République dominicaine déporté, eh bien on a dit que déjà déporté et moun sa yo qui peut arriver en enregistré lors du plan national de régularisation et maintenant au lieu d'accepter ou bien de flexibiliser la situation face à l'aggravation de la crise politique haïtienne, bon, République dominicaine, et décider d'intensifier les relations. Donc, c'était pour contextualiser et bagay ça a sorti et pour essayer comprendre pour qui ça. OK. Maintenant on dit il y a plusieurs structures et n'a pas l'état qui a mis en application décret et pour arrêter haïtien de grand décret et que autorité exécutif dans République dominicaine te prend pour demander pour arrêter haïtien qui est en situation irrégulière pour pimper retourner dans pays d'Haïti. Non. Un décret, mais un ordre présidentiel. Okay. Une déclaration publique. Et on est supposé que déclaration publique, ça, il vient formaliser à travers de la bureaucratie. Okay. C'est-à-dire que la présidence est envoyée correspondance à toutes les instances qui concernaient. Okay. Cependant, parallèlement, et un décret qui sortit. Décret qui sortit, hein, ça, décret, c'est dans le week-end, dans le sortit. Li concerné des invasions de terrain son bagay courant que li en République dominicaine moun ki envahit terrain ki pa pou yo et particulièrement des terrains du Conseil d'État du sucre le CEA. CEA c'est lui qui t'a géré toutes les usines sucrières de la République dominicaine depuis l'époque de Trujillo. Bon alors il pas créé dans l'époque Trujillo, hein, mais c'est même instance ça qui revient le Conseil d'État du sucre quelques années après sous Balaguer. Et son paquet de terrain, un paquet de terrain qui appartenu à un consortium étatique ça hein, et que pas fin avec eux. Donc il y a des dominicains parmi dominicains ça yo, il y a des haïtiens en pile fois, c'est dominicains qui envahissent, terrain yo. Et puis moun yo commencé revendre à des compatriotes haïtiens. Donc décret a limandé et pour que les instances concernées et les forces armées, la police et les mairies de zones rurales pour yo fait tout ça au connaît et pour yo déloger moun qui occupait terrain qui pas pour yo. Oh. Et ça son bagage qui pourrait l'affecter et des dominicains mais qui pourrait l'affecter tout des haïtiens. Alors okay. Décret a très clairement parlé de étrangers et ils sont très peu les étrangers d'autres nationalités qui t'a envahi terrain. Donc nous connaissons que et son décret qui affectait beaucoup plus des haïtiens qui soient ces anciens coupeurs de canne, c'est des mouns qui n'ont pays en ça gagne 40 ans, ça gagne 50 ans. Et que souterrain ça est au côté de l'OEA, il n'y a pas vivre au côté de l'OEA. Il y a vivre avec d'autres familles dominicaines qui envahissent le terrain. Donc, nous pensons que c'est quand même un petit peu délicat, ouais, pour y'a déloger seulement étrangers, pas déloger dominicains qui fait exactement même bagarre là. Et que haïtiens eux-mêmes, y'a acheté cet espace côté l'OEA à dominicains qui étaient envahis le terrain. OK. Maintenant, tout à l'heure souligné après visite gros responsable département d'État et puis tout et après déclaration et au commissaire Nations Unies pour droit mon Volker Turk fait sur question haïtien et sur question déportation
et groupe nationaliste en République dominicaine est vraiment fâché. Est-ce que le président Luis Abinader qui est capable de bailler des résultats et par rapport avec la prise de fonction li, puisque il y a un peu l'espoir qui était gagné dans li, est-ce que le fait que il est incapable de bailler des résultats li a pu détourner l'attention là et plutôt l'abcéder à caprice nationaliste en République dominicaine le li décider intensifier déportation haïtien qui a vivent une situation régulière en République dominicaine? Bon, si vous regardez les réactions dans l'opinion publique, d'un côté, il y a un groupe nationaliste qui est capable d'applaudir, mais d'un autre côté, il y a des groupes traditionnellement solidaires avec Haïti, avec les Haïtiens en République dominicaine. Il y a un document qui est signé par plus de 30 organisations et plus de 30 personnalités aussi individuellement. Et côté que, d'ailleurs, parmi les signataires de ce document, il y a le père, c'est Gain, papa et actuel ministre de l'économie de la République dominicaine. Donc, son figure très connue, emblématique même de la gauche dominicaine, qui est Narciso Issa Condé, qui a un programme de télévision, qui est depuis longtemps et toujours à dénoncer toute qualité manipulation politique qui compte fait sur la question haïtienne en République dominicaine. Donc, en effet, il y a moun et en République dominicaine qui pensait que ça répond à une stratégie politique, vu que, et l'on parlait d'Haïti, n'a parlé d'une question éminemment politique en République dominicaine, et actuellement, la question lui nous retourner sur le tapis, parce que nous sommes sorte de conjoncture préélectoral. Il y a élection en fait dans 2 ans, mais et conseil de bagarre qui commence à définir et dans politique dans bagarre électorale, dans situation électorale là, et surtout que les principaux candidats et tout le monde plus ou moins qu'on est ou bien d'un côté le président est en fonction qui souhaitait lui-même et pas souhaité, tout le monde croit que la parivé est passée et primaire, si il y a des primaires, et de toute façon, c'est la figure la plus, je dirais, qui gagne beaucoup plus de chance, et pour le candidat pour le PRM. Donc, où gagne l'ancien président Lionel Fernandez pour le PLDA, pour le parti Foupou, monsieur était créé pour le parti Pali, et puis pour le PLD, où gagne Abel Martinez, qui est magistrat Santiago, et dont les positions sur Haïti et sur la migration haïtienne toujours très, très, très défavorables. Donc, tous les 3 candidats, actuellement sur la scène politique, ils ont maintenu en position qui pas trop positive pour nous. C'est-à-dire que y a pas, et c'est aucun des trois et nous pouvons jamais entendre que valoriser la contribution des Haïtiens. Donc y a plus souhait que la migration haïtienne son charge que lié pour yo, y a plus souhait que République dominicaine, et c'est le discours et que l'on entend chaque jour et qui soit dans le secteur officiel là, soit dans les classes politiques là, que la République dominicaine pas qu'à supporter charge ça, que la communauté internationale qui était République dominicaine pour contre et face à crise Haïti. Donc c'est peut-être ça, il a toujours demandé pour que la communauté internationale là lui prend responsabilité face à Haïti. Donc dans ce contexte là, et nous comprenons justement que à chaque fois secteur nationaliste yo frappé, gouvernement lui-même vient l'obligation pour le démontrer que la contrôler l'immigration et là sans prendre en compte je dirais la situation est très grave sur le plan sécuritaire et en termes de violence politique que nous gagnons et qui plus ou moins expliqué ces flux migratoires vers la République dominicaine. Et là, c'est important qu'il faut dire. Et j'aimerais souligner ça rapidement. En République dominicaine actuellement, où gain et nous pas qu'à bailler chiffre souli, mais où gain un nombre assez important de monde qui attendent, c'est-à-dire que y a en République dominicaine, y a un transit en République dominicaine. Il y a des processus migratoires que l'autre monde a fait pour eux, soit pour le Brésil, soit pour le Chili, même pour l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada, et pour l'Europe. Donc c'est des monde caltan que papi yo fin paré pour yo parti. Ouais, et les parents moun sa yo, famille moun sa yo, zami moun sa yo qui dans l'autre pays
ils ont préféré mettre ces personnes-là sous une ambiance plus sécuritaire pour que pas grand écrivé en attendant que papier paraît. Donc ce serait important, ce serait juste opportun. Okay. Que et aux République dominicaine et le gouvernement dominicain dans le cadre de tout droit que le gagne et pour rapatrier monde qui est en situation régulière, mais considérer les groupes actuels qui forment la communauté haïtienne. Donc et c'est ça que nous-mêmes avons proposé et dans quelques interventions médiatiques que nous avons fait en République dominicaine. Ok, maintenant, si je comprends bien, par contre, il est trop bonheur pour nous parler de ça. Vous dites que et tous les trois candidats n'ont pas montré favorable avec l'immigration haïtienne vers la République dominicaine et vous soutenez tout par importante et place importante nationaliste qui est dans le débat public là. Vous continuez à faire pression et à chaque fois que vous faites pression, il faut que le dirigeant vous cède avec capricieux. Donc, quelle que soit l'issue de ces élections et deux ans qu'a venir là et les migrants ici en situation irrégulière ne seront pas au bout de leur peine si vous comprenez bien et monsieur Barrezon. Oui, nous ca dire comme ça. Bon, on dit que journée aujourd'hui à la République dominicaine n'est pas un pays ouvert à l'immigration haïtienne. Et la République dominicaine nous pas qu'à voir concours le Brésil après le tremblement de terre. Nous changeait que le Brésil te font off, donc on te venir des milliers et d'haïtiens et calé au Brésil et yo te besoin justement main d'œuvre pour la construction et des infrastructures sportives tant pour le mondial comme pour les Jeux olympiques. Ouais, et en République dominicaine, malgré que l'usage intensif de la main d'œuvre haïtienne est incontournable pour que Dominicani, République dominicaine continue et dans cette lancée, de croissance économique soutenue que l'Union a pendant les 15 dernières années. Et cette main d'œuvre est indispensable pour eux, mais question en lit éminemment politique et on voit que jusqu'à présent, on m'a préparé encore, aucun des principaux acteurs de la scène politique dominicaine et pas jamais mon discours est oui, similaire aux acteurs politiques aux États-Unis. Aux États-Unis, et moins, bon, on voit que mon, et un tremplin lui-même, bon, qui parle des immigrants, mais cependant, et un paquet d'autres acteurs politiques, ils ont obligé mon discours prudent sur la question migratoire, yo connaît justement et gampil nan migrant yo et bon qui ka voté et gen fami migrant qui ka voté, donc yo plus ou moins et chercher et pas à démontrer que yo défavorable à l'immigration. Donc pour l'instant, et n'a pas tiré attention moun qui voulait venir en République dominicaine et monde qui est en République dominicaine, que situation est extrêmement difficile, très extrêmement difficile sur le plan politique. Donc, son monde vini, faut qu'on attend nous à des petites tracasseries, ouais, et en termes de contrôle migratoire, et particulièrement, ça dépend de l'autorité. Ok. Maintenant, dans la vague d'arrestation suivie de déportation, ça, qui groupe qui ciblé? Bon, et yo dit tout le monde qui est en situation irrégulière. Mais intervention localisé et plus qui bon. Eh mais non, la difficulté pratique que vous avez, c'est que yo définit l'haïtien à partir d'un profil. Ouais. Donc depuis on est dans la rue qui répond à profil que yo gain de l'haïtien. Comme on est dominicain, de fait, nous on gain des cas de dominico-haïtiens que yo mettez dans ça les camionnats. Camionnats, c'est sorte de sorte de camion au moins de transport que Direction générale immigration gagne pour le prendre mon yo le côté que vous prenez royal déposer yo non centre que au centre vacationnel de Raina. Donc c'est là que réunit tout le monde avant que fait dispatch là vers différents points de la frontière. Donc le camion ça il est sorti à 6h 7h du matin. Donc il y a campé dans des lieux côté que yo connaît que ka joine haïtien k'ap vinn tan machine pour y aller dans travail
ou bien il y a dans des quartiers et côté que yo connaît une présence haïtienne importante et y a un quartier qui a beaucoup plus de croissance en termes de présence haïtienne et c'est dans la zone Las Américas. Ouais, dans la zone Las Américas, c'est son autoroute qui menait vers l'aéroport et qui allait vers l'est de la République dominicaine, qui allait jusqu'à Punta Cana. Mais Las Américas, là, entre la sortie de la ville, et la sortie de la capitale et jusqu'à la Calita, qui est zone côté aéroport ailleurs là. Donc, dans la zone ça, et bon supermarché qui est Olé, et ben n'ego stop dans zone ça là, il y a 2-3 camions immigration. Donc qui vient les fois même empêcher que moun yo ka soti, bien moun yo vive non situation de panique généralisée à partir de dernière déclaration officielle qui fait sous question et qui mandé pour que toute instance et participer dans ce contrôle migratoire, ce qui est très risqué. Parce que là, on vient pas une instance et leader, on vient pas une instance qui a pas instruction, qui a contrôlé les bagages vraiment. Donc, que c'est des policiers qui agissent de façon individuelle, ou à Binjouen, il y a des policiers motorisés, sous motocyclette, il y a flané, et puis il y a un monde qui répond à profil haïtien, il y a campé ou fouillé. Et dans le campé fouillé, il y a des plaintes que nous recevons. Côté que moun yo perdu, yo perdu kobyo, yo perdu téléphone cellulaire, donc ou vin pa gen contrôle vraiment. L'État gen doit perdre contrôle situation ça. Hein? Et vu que par une instance qui dirige bagay la tout bon, parce que c'est les différentes instances qui impliquées. Si me comprenne bien, et soit expliquer là, un profilage racial qui a fait là en République dominicaine. Non, définitivement. Alors. Et il y a cette question de justement de couleur on même qui lié à l'haïtien et c'est peut-être ça là il y a parlé de rapatriement et il y a parlé de contrôle migratoire donc immédiatement et sont haïtiens noirs qui viennent notre tête ouais alors que les haïtiens nous ne sommes pas la seule communauté d'étrangers et qui retrouvent nos situations irrégulière sur le plan migratoire. Ouais. Et gain plus de 140 000 Vénézuéliens en République dominicaine. Et que la République dominicaine, on t'a dit, beaucoup plus favorable, ouvert porte aux Vénézuéliens, et qui gagne, nous qu'à admettre que gagne des motifs évidents pour quitter le pays, mais cependant, le Venezuela pas vivre une situation aussi grave qu'Haïti. Et situation Haïti aggrave, c'est à partir du fait que les gangs a défié l'autorité de l'État. Ils ont défié l'autorité de l'État. Et je dis déjà, je répète. Et le fait que le premier ministre du pays prend une cérémonie officielle, et puis un chef gang empêche monsieur aller, et puis c'est lui-même qui a fait la cérémonie officielle là, donc c'est extrêmement grave. Et j'ai l'impression, bah, elle a passé comme on l'est à la poste. En est pas fait et même chef gang ça, monsieur continue à faire ça, l'est dans le pays. Personne n'est pas arrivé et mettre le sous contrôle. Donc, et on a une situation côté gang, il y a vu les jeunes, si mesdames, il y a boule moun, et on a changé là, et les trois femmes brûlées bon tabac. Et donc, nous connaissons tout le bagage qui a passé déjà dans le pays. Hein, et c'est ça qui portait moun yo. Nouveau flux migratoire pendant les deux dernières années, c'est peut-être ça moun yo aller en République dominicaine. Donc, son situation beaucoup plus grave que Venezuela, que malheureusement, eh bien, et République dominicaine fait même pas de solidarité pour moun sa yo. Okay. Donc, il faut bien comprendre que malheureusement pour nous, et malgré que le gouvernement lui-même n'est pas capable de sécurité, et que moun yo pati, yo kite pays à cause de l'insécurité, de la violence, et gouvernement li même kounyan la, li pa gen capacité pour négocier avec la contrepartie dominicaine pour yo ta fè yo ti tempo, pour yo ta reconsidérer les décisions que yo prend. Nous pas j'entends personne dire rien par rapport à l'aggravation de la situation migratoire pour nos compatriotes. C'est l'autorité, selon même, ça traduit qui ça? Autorité haïtienne. Bon, ça traduit plusieurs bagailles. Une irresponsabilité grave, une incapacité évidente en termes de négociations diplomatiques qui a faites,
Ouais, et avec le pays le plus proche. D'ailleurs, c'est un pays sur lequel on t'a supposé compter beaucoup plus. Donc, quel type de relation que actuelle administration a développé et en relation, je dirais, de solidarité réelle et entre deux parties. Donc, nous doutons en pile que mon travail qui fait dans sens ça sur le plan diplomatique. Alors, et pour compatriotes, c'est la panique générale et c'est pas normal. Merci beaucoup, Edoun Parizon, d'être côté disponible le matin. Avec plaisir, comme toujours. Merci. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique, et l'ennemi. Mon éditorial, vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, monsieur Chanel Paul là pour bien informer avec Yannick. Mon Éditorial, nous bral la balle pays, nous bral le débat.